Bonjour et bienvenue dans Xenius. Bonjour. Adrien et moi, nous avons pris nos mesures comme il y a un millénaire. Résultat, Adrien fait 5 coudées. Et Émilie, 3,5. Du moins avec mes coudées à moi qui taillent plutôt grand. Tout cela n'est pas très parlant. Et pour cause. Ces unités de mesure ne signifient plus grand-chose pour nous depuis que nous sommes passés au système métrique. En clair, Adrien fait 1,99 m et moi 1,70 m. C'est tout de suite plus limpide. Le problème avec les anciennes mesures, c'est qu'elles ont la fâcheuse manie de varier en fonction du modèle. Une coudée d'Adrian est légèrement plus grande qu'une coudée d'Emily. Quant aux pieds, n'en parlons pas. Vous l'avez compris, nous allons parler des unités de longueur. Ce que j'aime avec le système métrique, c'est qu'il met tout le monde d'accord. Enfin, tout le monde, sauf les Anglais et les Américains, qui ont conservé l'ancien système et mesurent toujours en pouces, en pieds, en yards et en miles. Quelles sont les origines de ces différentes unités de mesure? C'est ce qu'on vous propose de découvrir tout de suite. Au commencement, il y a le corps humain. On évalue les longueurs en paume, en coudée, en pied et en doigt. Ces mesures corporelles se réfèrent l'une à l'autre, c'est-à-dire que l'on procède au calcul suivant. 4 doigts égale une paume et 4 paumes égale un pied. Ainsi en atteste le plus ancien instrument de mesure gradué, la coudée de Nippur. Cette baguette de cuivre a été découverte dans un centre religieux d'Irak, dans l'ancienne Mésopotamie. Elle date du début du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Des entailles la découpent en 6 segments qui nous donnent la mesure d'une paume, d'un pied et d'une coudée. Des siècles durant, ces références au corps humain ont permis d'arpenter les terres pour fixer l'impôt, par exemple. De pratiquer le commerce sur de vastes distances ou encore d'ériger des édifices impressionnants. Régulièrement, la subdivision de ces mesures était révisée afin de faciliter les calculs. Tantôt, la coudée faisait 30 doigts, tantôt elle en faisait 28 ou 32. Au Moyen-Âge, l'Europe comptait quasiment autant de mesures différentes que de provinces. En effet, chaque seigneur s'arrogeait le droit d'imposer ses propres mensurations comme étalon. À elle seule, l'Allemagne totalise plus de 40 pieds et coudées différents. À l'époque, on trouvait sur les façades des mairies ou sur les remparts les gabarits en vigueur dans la région. C'était la seule possibilité, pour les commerçants et les artisans, de se retrouver dans le chaos des mesures locales. Les pays voisins n'étaient pas mieux lotis. À Amsterdam, le pied faisait plus de 28 cm, à Londres, plus de 30, et à Paris, le pied du roi dépassait même les 32 cm. Nous avons pris des notes. Tout cela, rien que pour le pied. Faut s'accrocher quand même. Et attends, ce n'est pas fini. Toutes ces différences-là, eh bien ce n'est rien comparé aux caprices du mille. Le mille, ou mile, n'a effectivement pas été épargné par ses vicissitudes. Son origine remonte à l'Antiquité. Les Romains introduisent le double pas, passus en latin, qui correspond à 5 pieds romains. Et avec 1000 double pas, on obtient le mille romain. Les distances étaient indiquées à l'aide de bornes, et environ 1,5 km séparaient deux bornes millières. La longueur du mille dépend de celle du pied. Lequel était variable, d'où un mille fluctuant. Le pied anglais étant plus long que le pied romain, le mile anglais faisait près de 40 mètres de plus que son homologue romain. C'est alors que l'engouement de la perfide Albion pour les sports équestres entraîne une nouvelle modification du mile anglais. Le terrain de course britannique se mesure en furlongs. Cette mesure se rapporte à la longueur du sillon que parcourt d'une traite une paire de bœufs sur un acre de champ labouré, soit 660 pieds. En l'an 1592, la reine Élisabeth Ière décide que le mile ferait exactement 8 furlongs, ce qui ne correspond plus à 5000, mais à 5280 pieds.
Voilà pourquoi le mile anglais mesure aujourd'hui encore 1,609 km de long. En Angleterre, les hippodromes se mesurent toujours en furlongs. Le plus ancien d'entre eux, celui de Chester, créé en 1539, en compte 9. L'Empire britannique va répandre de par le monde ce système de longueur issu de l'Angleterre médiévale, avec de nouvelles variantes. Le système d'unité de mesure anglo-saxonne est unifié le 1er juillet 1959, mais les calculs n'en sont pas simplifiés pour autant. 12 pouces égale 1 pied. 3 pieds égale 1 yard. 1760 yards égale 5280 pieds égale 1 mile. Voilà qui ne facilite pas vraiment les relations internationales ni le commerce, mais les Anglais et les Américains y tiennent. En Grande-Bretagne, mais aussi dans de nombreuses anciennes colonies britanniques, on utilise autant le kilomètre que le mile. Et aux États-Unis, le système métrique est très peu utilisé dans la vie courante. Même en France et en Allemagne, les anciennes unités de mesure n'ont pas complètement disparu. Aujourd'hui encore, la diagonale des écrans, le diamètre des jantes, ainsi que certaines tailles de vêtements sont indiquées en pouces. Ces mesures ont donc perduré dans le domaine technique. Et en aéronautique, exception faite de la Chine et de l'ex-URSS, il est toujours de rigueur de mesurer et d'exprimer l'altitude en pied. Là, les choses se corsent. L'altitude se mesure-t-elle en pied romain, américain ou anglais? Bon, depuis la fin des années 1950, il n'y a pratiquement plus qu'un seul pied qui vaille, c'est le pied britannique. Et il fait assez précisément 30,48 cm de long. Ça me dérange toujours un peu quand ça ne tombe pas rond. Mais si quelqu'un peut nous expliquer pourquoi il y a différents systèmes de mesure sur Terre, c'est bien René Schödel. Ici, à Brunswick, cela fait une quinzaine d'années qu'il s'occupe de la mesure exacte des longueurs. Bonjour. Bonjour. Comment se fait-il qu'en France et en Allemagne, où le système métrique est en vigueur, certaines longueurs s'expriment quand même en pouces? Parce qu'il est difficile de trancher dans le vif en disant « à partir d'aujourd'hui, c'est fini ». Pensez aux avions par exemple. Une bonne partie de leurs instruments mesure en pied. On ne va pas décider de changer toute une flotte d'appareils du jour au lendemain. En ce sens, il vaut mieux conserver une certaine unité, même si elle ne suit pas le système recommandé. Mais c'est le mètre qui a été établi comme étalon de longueur. En ce qui nous concerne, nous n'utilisons que ce système. Y a-t-il des exemples où il est prouvé que ce n'est pas une bonne idée d'utiliser deux systèmes de mesure en même temps? L'exemple le plus frappant qui me vient à l'esprit, c'est celui de cette sonde spatiale en route pour Mars qui a été perdue en 1999. L'affaire a été très embarrassante pour les Américains. Comme la NASA s'appuyait sur le système métrique, ses ingénieurs calculaient en mètres. Mais un sous-traitant effectuait ses calculs en pouces. Résultat, les données ne correspondaient plus du tout à la trajectoire prévue. Et la sonde s'est écrasée. Cela s'est produit en 1999, il n'y a donc pas si longtemps. C'est important de le mentionner. Un système de mesure uniforme, tout comme une langue commune, facilite la communication, surtout pour des projets de cette envergure. Et il existe. C'est le système international d'unité. Une invention française, soit dit en passant. Remontons un peu le temps pour voir comment ça s'est passé. Le mètre est un enfant de la Révolution française. L'époque était à la recherche d'une unité basée non plus sur les mensurations des seigneurs féodaux, mais sur des constantes naturelles. Ce n'est donc plus l'homme qui est la mesure de toute chose, mais la nature, le monde lui-même. J'aime bien ce point de vue. En 1791, à Paris, à l'Académie des sciences, une dispute fait rage autour de la nouvelle unité de longueur. Seul son nom fait l'unanimité, ce sera le mètre, dérivé du grec metron, qui signifie mesure. Exit les mensurations humaines et leurs variations, place aux constantes naturelles, à commencer par notre planète. La recherche du mètre étalon s'inscrit dans l'esprit d'émancipation porté par la Révolution. Il s'agit de se libérer du souverain féodal, de son arbitraire et de ses mesures.
Une commission composée des meilleurs scientifiques du pays est chargée de déterminer la bonne méthode pour établir le mètre de référence. Dans ses rangs, deux hommes vont connaître la gloire internationale. L'astronome et géographe Pierre Méchain et son collègue Jean-Baptiste Joseph Delambre, lui aussi un astronome de renom. La commission propose d'abord de recourir à un pendule battant la seconde. Le mètre serait équivalent à la longueur d'un pendule battant la seconde, c'est-à-dire dont la demi-période d'oscillation est d'une seconde. La méthode serait parfaite si la chose était indépendante de l'endroit où est effectuée la mesure. Il suffit d'avoir une montre et d'ajuster la longueur du pendule pour obtenir le mètre. Si la gravité était la même partout, cette méthode permettrait de définir le mètre. Mais la gravité changeant en fonction de la latitude, la longueur du pendule varie d'autant. La proposition est rejetée. Les scientifiques vont opter pour une autre méthode. C'est la circonférence de la Terre qui servira de base. Plus précisément, un 10 000 000e de la distance du pôle à l'équateur. Reste à mesurer la distance en question. Pour ce faire, la géodésie a recours à la méthode de la triangulation que le Hollandais Snellius a établie en 1615. Si l'on connaît la longueur d'un côté d'un triangle, il est possible de déterminer la longueur des deux autres côtés en mesurant deux angles de ce triangle. Ces mesures peuvent ensuite être appliquées au triangle adjacent. Il s'ensuit un réseau de triangles qui permet de mesurer une distance importante. La mission est confiée à Delambre et Méchain, et la distance à mesurer est celle entre Dunkerque et Barcelone. Méchain partira vers le nord et Delambre vers le sud. Afin de pouvoir viser des points de mesure éloignés parfois de 40 km, les géodésistes doivent se positionner en des lieux surélevés. Sommets, remparts et clochers sont particulièrement propices à ce genre d'entreprise. La triangulation sera utilisée dans le cadre du métrage terrestre jusque dans les années 1960, avec des instruments de mesure évidemment plus précis que ceux de Méchain et Delambre. À l'ère du GPS, la géodésie ne recourt plus qu'exceptionnellement à cette méthode. Mais comment Delambre et Méchain ont-ils pu mesurer les angles avec autant de précision? Grâce à l'une des dernières découvertes de leur temps, le cercle répétiteur de Borda. Le cercle répétiteur de Borda est un instrument très particulier. Il permet de mesurer un angle plusieurs fois de suite, dans n'importe quelle orientation. L'opération est répétée 20 à 24 fois. Puis on fait la moyenne des résultats, ce qui limite considérablement les erreurs de lecture. L'important est de disposer de ces deux lunettes afin de viser les objectifs alternativement et selon une procédure donnée. Delambre et Méchain mettront près de 7 ans à mesurer la distance de Dunkerque à Barcelone. Ils effectueront des milliers de mesures entre 1792 et 1799. La moindre erreur aurait eu des effets catastrophiques sur le résultat final. Et l'aventure est risquée. Au cours de leur périple, ils doivent affronter le chaos de la Révolution, les contraintes géographiques des Pyrénées, sans compter les intrigues politiques. En 1793, l'Académie des sciences est dissoute, ce qui met sérieusement en danger l'expédition. Pour couronner le tout, Méchain constate une incohérence dans les longueurs relevées. En l'absence de contact avec Paris, il ne peut corriger l'erreur. Mais en fin de compte, nos astronomes viennent à bout de leur tâche monumentale et la distance entre Dunkerque et Barcelone est entièrement mesurée. Mais reste à trouver l'unité de base. La triangulation consiste essentiellement à mesurer des angles.
Mais pour cela, il faut avoir la longueur d'un premier côté. C'est ce qui constitue la base de tout le calcul. À l'époque, c'était épouvantablement compliqué. Dans le cas de Delambre et Méchain, la distance en question était de 6 km. Et il a fallu un mois entier pour la mesurer. Des règles numérotées, calées les unes au bout des autres, permettent de mesurer la ligne de base avec précision. Le mètre étalon peut être déterminé. Une commission internationale chargée de vérifier les résultats valide ces travaux de mensuration. Personne ne s'aperçoit que, du fait de la mesure erronée de Méchain, le mètre étalon est trop court de 0,2 mm. L'erreur, qui ne sera jamais corrigée, perdure aujourd'hui encore. Voici donc le mètre étalon. Il s'agit d'une copie, l'original étant conservé à Paris. Mais une copie de grande valeur, puisqu'elle est en platine. Monsieur Schödel, les géographes ont commis à l'époque une erreur de 0,2 mm. Cela veut dire quoi? Que le mètre étalon ne fait pas un mètre? À l'époque, il faisait quand même un mètre. C'était la base, c'était la définition. Mais on s'est aperçu que la définition via la circonférence de la Terre n'était pas assez précise, parce que la Terre n'est pas parfaitement ronde. D'où une remise en cause de cette définition universelle de la longueur et la création de ce prototype qui a très longtemps servi de référence. Aujourd'hui, ce n'est plus ce mètre étalon-là qui est la mesure de toute chose. On ne le prend plus comme référence. Faites passer. Il va retourner dans son coffre-fort. Nous avons aujourd'hui une nouvelle définition du mètre. C'est là qu'intervient cette machine et les bases du calcul ont été jetées ici, à Brunswick. C'est quoi un mètre de nos jours? On peut représenter un mètre comme le multiple d'une longueur d'onde optique. Cela nécessite donc de très bien connaître cette longueur d'onde. Quelle précision apporte cette méthode? En connaissant très précisément la longueur d'onde, on peut tout à fait déterminer un mètre à quelques dizaines de nanomètres près, sachant qu'un nanomètre fait un millième de micromètre. C'est donc si important d'affiner toujours davantage la mesure du mètre? De nombreuses branches de l'industrie en ont vraiment besoin. Le secteur des matériaux semi-conducteurs, le génie mécanique. Autrement dit, si vos mesures étaient plus approximatives, le monde irait à sa perte. Je n'irai pas jusque-là. Mais l'industrie moderne, oui. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Schödel. De rien. Donc, en matière de mesures, sans règles homogènes, ce serait de nouveau le chaos en ce bas monde. Dans le domaine scientifique, avec des sondes spatiales qui dégringolent, et peut-être aussi dans les escaliers. Pourquoi donc? Je pourrais tomber si les mesures n'étaient pas justes. Pour moi, cet escalier est parfait. Ce qui nous amène aux mesures faites à partir du corps, pour le corps. Quelles sont donc les mesures exactes pour qu'un escalier soit adapté à tout le monde? Cette question nous préoccupe depuis une bonne centaine d'années, ainsi qu'en attestent les études de mouvement du photographe anglais Edward Muybridge, prises au début du XXe siècle. Superbes images de la recherche en escalier. Oui, des images au charme désuet, n'est-ce pas? Et dans ce domaine, c'est encore un Français qui est passé à la postérité. Décidément. C'est l'architecte François Blondel qui est le premier à avoir calculé la formule idéale pour un escalier. Et cette formule est la suivante. Deux hauteurs plus une profondeur devraient faire plus ou moins 65 cm. Je vérifie ça tout de suite. Donc, contre-marche, 16 cm. Marche, 32. Soit un total de 64 cm. En clair, M. Blondel validerait cet escalier-là. Mais que faut-il donc à cette structure pour être parfaite? Les chercheurs S-escalier étudient la question. Si un escalier est bien construit, avec les bonnes mesures, il ne sera ni fatigant ni dangereux pour ses usagers. Pour ce faire, il y a une formule toute simple. La formule de Blondel. Deux fois la contremarche, plus une fois le giron,
devrait être compris entre 59 et 65 cm. Pour celui-ci, on obtient 63 cm. Les mensurations sont donc idéales pour un humain. C'est en 1675 que l'architecte français se penche sur le calcul de l'escalier dans son cours d'architecture enseigné à l'Académie royale. Il y a trois siècles, la question revêtait une toute autre importance que de nos jours. À mon avis, l'escalier constituait l'élément clé de l'architecture baroque. Et je parle ici notamment de la construction de palais en France et en Allemagne. On peut dire que l'escalier était le roi de l'architecture. On peut voir l'escalier baroque comme le symbole d'une société de classe absolutiste, où chacun avait très précisément sa place. Stéphane Truby est architecte et cela fait des années qu'il étudie les escaliers sous leur angle culturel. Les escaliers ont de tout temps révélé bien des choses quant à leurs constructeurs et leurs utilisateurs. Peut-être plus encore du temps de Blondel qu'aujourd'hui. À l'époque, les escaliers monumentaux devaient être agencés de telle manière que le potentat puisse les monter et les descendre sans se fatiguer. Pour satisfaire à cette exigence, François Blondel avait élaboré une autre règle. Pour le confort d'un escalier, il faut une différence de 12 cm entre la marche et la contre-marche. Si ce rapport est respecté, les marches ne seront pas trop hautes et l'escalier se gravira sans effort. Les formules de Blondel en matière de construction d'escaliers sont toujours en vigueur de nos jours. Harald Figger est artisan menuisier. Il construit et restaure des escaliers depuis plus de 30 ans. Son atelier est le plus ancien de Munich. Pour lui, les règles de Blondel sont indispensables. Cette formule détermine l'échelonnement des degrés, qui engendre l'esthétique de l'escalier. Elle implique aussi le balancement des marches, qui sera finalement décisif pour toute l'apparence de l'escalier. Pour moi, en fait, cette règle, c'est un peu comme le nombre d'or. Mais l'esthétique ne suffit pas. L'escalier doit également être sûr. Et dans les établissements publics, la notion de sécurité est plus importante encore. Aujourd'hui, des normes strictes en assurent la fiabilité nécessaire. Mais il y a trois siècles, François Blondel formulait déjà des règles qui garantissaient des escaliers à la fois beaux et fiables. Règles de sécurité, marche et contre-marche doivent totaliser 46 cm. Sinon, à la descente, le giron trop étroit risque d'entraîner des chutes. Mais les hommes ont toujours construit des escaliers aussi différents que leurs besoins. La particularité des cages d'escalier munichoises, ce sont les contre-marches très basses. À Munich, il est tout à fait courant de trouver des contre-marches entre 14,5 et 16,5 cm pour des marches de 26 à 28 cm de profondeur. Du point de vue de la mesure du pas, cela donne des valeurs de l'ordre de 55 à 57 cm, ce qui ne correspond pas à la formule de Blondel. Mais presque tous ces escaliers respectent la règle de confort. Je pense que dans le temps, les gens accordaient plus d'importance au confort, et les Bavarois particulièrement. Confort ou sécurité, il y a des escaliers pour tous les goûts. Cela dit, même en appliquant la formule de Blondel, pas moyen de construire un escalier qui convienne à tous les utilisateurs. L'escalier universel serait-il une illusion ? Il y a bien un symbole de l'escalier universel. C'est l'escalier en colimaçon. Tous ceux qui empruntent un escalier hélicoïdal adoptent le pas qu'il faut, qu'ils soient grands ou petits, quelle que soit la longueur de leurs jambes. Une des caractéristiques les plus remarquables de l'escalier à vis, c'est qu'en matière d'architecture, il s'adresse à tout le monde, sans distinction. Les mensurations idéales d'un escalier sont donc étroitement liées à l'humain. Mais nous avons pris 10 cm depuis l'époque de Blondel. Sa formule est-elle toujours d'actualité ? Le pas et les règles que Blondel a formulées sont tout à fait d'actualité. Il a vraiment défini le cadre qui permet de concevoir et de construire des escaliers sûrs, confortables et esthétiques.
Les règles de Blondel fonctionnent donc sur des mesures qui conviennent, sinon à tout le monde, du moins à la plupart des gens. Aujourd'hui, comme il y a 3 siècles. Et voilà, même si aujourd'hui les rayons laser permettent d'effectuer des mesures très précises, les unités de longueur doivent avant tout nous correspondre à nous, les humains. Car en fin de compte, c'est nous qui utilisons ces unités. Sur ce, au revoir. Salut. Au fait, notre prochaine étape est à 543 km. Autrement dit, attention, 162 763,2. Virgule de quoi? Pieds, bien sûr. On n'est pas rendu.